Bonjour et bienvenue à la chaîne MPC Learning. Aujourd'hui, nous allons entamer le cours numéro 3 de MathSup pour les classes préparatoires MPSE et PCSE. Aujourd'hui, nous allons entamer le cours ensemble et application. Donc, précisément, nous allons parler et expliquer les notions et les définitions propositions du cours des applications, puisque nous avons déjà expliqué le cours d'ensemble, dans le cours numéro 2. Alors, on commence par l'application définition ensembliste. Donc, définition d'application. Ce que si ça veut dire une application, donc soit E et F, deux ensembles, une ensemble par défaut de façon globale. Donc, c'est une collection d'objets, d'accord? Un ensemble peut être vide, contient un élément, deux éléments, trois, quatre, etc. Donc, ici, on parle des ensembles qui ne sont pas vides, d'accord? Qui contiennent des éléments. Alors, soit E et F, deux ensembles, on appelle application de E dans F un objet mathématique F qui a deux éléments de X de E associé à un élément F de X de F. Une telle association ou bien une telle application est notée F. D'accord? Une telle application est notée F. Donc, comme ça, E vers F, d'accord? X, F de X. E, c'est l'ensemble, ça s'appelle l'ensemble de départ. F, l'ensemble d'arrivée. X s'appelle antécédent de F de X par l'application F. Et F de X s'appelle l'image de X par l'application F. D'accord? Donc voilà, c'est la définition de l'application. D'accord? Donc l'application en note F, deux points, l'ensemble de départ vers l'ensemble d'arrivée. La relation entre les éléments d'ensemble de départ et d'arrivée. D'accord? F, E vers F. D'accord? X, F de X. Alors, comme exemple, on a deux exemples ici. Alors, F de C vers R, Z qui est associé ou bien qui est relié Z avec le modèle de Z. Donc, l'ensemble départ, c'est C, l'ensemble du nombre complexe. L'ensemble d'arrivée, c'est R. D'accord? Ensemble des nombres réels. Donc, cette application, comme ça, cette forme, c'est une application de C dans R. D'accord? Alors, la question, c'est comment on doit vérifier que cette forme, c'est une application. Donc, une application par défaut, donc pour définir une application à travers la définition ici, signifie que quel que soit x appartient à l'ensemble de départ, il existe unique un élément, c'est-à-dire il existe unique y appartient à l'élément d'arrivée, à l'ensemble d'arrivée, tel que y égale à f de x. Donc, on prend cette forme. Donc, pour que cette forme, d'accord, soit une application, on doit vérifier ça. On doit vérifier que quel que soit x appartient à E, il existe unique y appartient à F, tel que f de x égale à y. D'accord? Donc tout élément de y a tout élément de x de E associé à un élément f de x de F. D'accord? Associer un élément unique, d'accord? Ici, c'est tout élément du x de E associé à un élément unique, f de x de f, d'accord? Alors, exemple numéro 2, donc f, r vers c, alors x qui relie x avec l'exponentielle de ix, donc c'est une forme, de nombre complexe dont le modèle égal à 1. D'accord? Alors, c'est une application de R dans C. Pourquoi? C'est facile. Donc, à quel que soit X appartient, quel que soit X appartient à R, il existe unique Y. D'accord? Il existe unique Y appartient à C tel que F de X égale
A Y. Y ici, c'est celui-là, d'accord? Donc, U de X égale à Y, d'accord? Donc, c'est une application. Alors, ça, on peut montrer facile que c'est bien une application, c'est-à-dire on va vérifier que quel que soit X appartient à R, il existe unique Y appartient à C, tel que f de x égale à y, donc l'exponentielle de ix égale à y, d'accord? Donc ça, c'est une forme qui est unique, c'est-à-dire on va supposer que il existe deux éléments, d'accord? Il existe deux éléments u de x, tel que u de x égale à il existe deux éléments, c'est y1, y2, tel que u de x égale à y1 et f de x égale à y1, f de x égale à y2, donc y égale à y1, y1 égale à y2, d'accord? Donc c'est facile à montrer ça. Donc on passe vers définition de 1,2, image et antécédent. Donc soit f une application de E dans f, donc soit x appartient à E. Donc, if de x s'appelle l'image de x par f. Donc, ça, donc on revient. Donc, if de x ou bien y ici, y égale if de x, donc y s'appelle, ou bien if de x s'appelle l'image de x par l'application f. Et de même, x c'est l'antécédent de if de x, oh, d'accord, de if de x. Par l'application f, d'accord. Donc soit y appartient à f, alors soit x appartient à e, f de x s'appelle l'image de x par f, et soit y appartient à f, s'il existe x appartient à e, d'accord, il doit être appartient à e, tel que y égale f de x est appelé un antécédent de y par f. Cette définition, alors cette condition-là, c'est bien pour définir juste l'application, d'accord? Pour que l'application soit définie, soit bien définie, d'accord? Et dans ce cas-là, donc y égale f de x, donc soit y ou bien f de x, c'est le même. Donc, dans ce cas, alors x est appelé un antécédent de y par l'application f. Donc, un élément, si on prend par définition, un élément de E, admet toujours une unique image par f, d'accord? C'est par définition de l'application, d'accord? Et un élément de f peut être admet 0, 1 ou plusieurs antécédents par f, d'accord? Donc, un élément de E doit toujours admettre une unique image par f, d'accord? Donc, x. Donc, si on prend x, alors x, il doit relier à ça, à y. D'accord? Donc, unique. Image. D'accord? Par contre, cet élément, c'est peut-être être relié à x1 et peut-être relié à x2. D'accord? Alors, et un élément de f, donc, peut admettre 0, 1 ou plusieurs antécédents par f. Donc, l'exemple ici, donc, soit f, une application de R vers R, donc, qui est reliée ou bien x avec x carré. Donc 2 admet pour image 4, d'accord? Donc 2 c'est l'ensemble de pardon, élément, c'est un élément qui appartient à l'ensemble de départ, d'accord? Alors si on prend 2, donc 2x égale à 2, alors l'image de 2 c'est 4, d'accord? C'est une unique, d'accord? C'est une image qui est unique par l'application f. Moins 1, donc moins 1, n'admet aucun antécédent. Moins 1 appartient à R, c'est-à-dire à R qui est un ensemble d'arrivées. Donc moins 1 égale ici. Donc si on prend x carré égale à moins 1, donc c'est-à-dire que y ici, d'accord? Y égale à moins 1, donc moins 1. Donc moins 1 n'admet aucun antécédent. C'est-à-dire on ne peut pas trouver x tel que x carré égale à moins 1. D'accord, tel que x appartient à R, d'accord. Donc dans ce cas, donc moins 1 n'admet aucun antécédent par f. Donc si on prend 0 admet comme 0 unique antécédent par f, et si on prend 0 d'ici, donc si on prend 0, c'est 0 qui est là, c'est un 0 qui appartient à l'ensemble de départ. Donc 0 n'admet non. Donc 0
Ça appartient à l'élément d'arrivée. D'accord, 0. Donc si on prend 0, admet unique antécédent, c'est antécédent, c'est 0. D'accord, par l'application f. Si on prend 0 d'ensemble de départ, donc 0 admet 0 comme image par l'application f. Alors si on prend 4 de l'ensemble d'arrivée, 4 égale à ici, donc y égale à 4 ou bien x carré égale à 4, alors 4 admet comme antécédent 2 antécédents, d'accord, 2. C'est-à-dire, ces antécédents sont égaux à 2 et à moins 2, d'accord. Si on prend 2 appartient à 2, si x égale à 2, x égale à moins 2, donc si on fait le carré, alors on va trouver 4. Attention, donc ici, donc il ne faut surtout pas confondre f et f de x. Donc il ne faut surtout pas confondre f et f de x. F, c'est une application, d'accord? Et f de x, c'est un élément de l'ensemble d'arrivée, d'accord? C'est-à-dire f de x appartient à l'ensemble d'arrivée de l'application f. L'application f. Alors, le graphe, définissons graphe, soit f. E vers F, donc F c'est une application de E dans F, c'est-à-dire l'ensemble de départ si E est l'ensemble d'arrivée c'est F. On appelle graphe l'ensemble qui est défini de la forme comme ça. Donc le graphe c'est l'ensemble, le couple X F de X tel que X appartient à E. Donc c'est l'ensemble X F de X tel que X appartient à E qui est égal, donc cet ensemble il est égal à l'ensemble, le couple XY appartient à E fois F, le produit cartésien de E fois F, tel que Y égale à F de X. D'accord? Cet ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de graphe de F, c'est une partie de E fois F. D'accord? C'est une partie de E fois F. Donc, on peut facilement montrer ça. Donc, on a par définition déjà que quel que soit x appartient à E, donc par définition d'une application, quel que soit x appartient à E, il existe y unique, il existe unique y appartient à f tel que x égale à f de x. D'accord? Donc ici, donc x f de x appartient à E fois un ensemble f de E. D'accord? D'accord, et f de e c'est inclus dans f. D'accord, c'est pour cela que c'est ensemble. D'accord, c'est ensemble, c'est une partie de e fois f. Donc remarque, t est le graphe d'une application, t est le graphe d'une application de e dans f. Si et seulement si t est une partie de e fois f. Et si quel que soit x appartient à e, il existe unique y appartient à f tel que x y appartient à t. D'accord, ça c'est une définition de l'application. Donc, quel que soit x appartient à E, il existe y unique. Il existe unique y appartient à f tel que f de x égale à y. Alors, c'est la définition d'une application. D'accord? Alors, dans ce cas, le couple. Donc, dans ce cas, le couple, donc, il sera x, y. D'accord? X, y appartient à x, y. D'accord? Appartient à E fois un ensemble d'arrivées, d'accord, F. Donc cet ensemble d'arrivées doit être inclus, d'accord, doit être inclus une partie de E fois F, d'accord. L'image d'une application, définition, l'image d'une application, soit F, une application de E dans F, on appelle l'image de F, on appelle l'image de F, notée MF, des éléments de F qui ont un antécédent par f dans E. Plus formellement, donc, d'une façon mathématique, donc, MF égale, si Y appartient à F, tel qu'il existe X appartient à E, Y égale à F de X. D'accord? Donc, ou bien c'est F de X tel que X appartient à E. Donc, c'est la définition. Donc, l'image de F, c'est l'image, on appelle image de f l'ensemble qui est noté. Ce sont des éléments de f qui ont un antécédent par l'application f. Alors,
aussi donc MFCF2E, d'accord? F2E, c'est qu'est-ce que c'est, ça veut dire F2E? D'accord? C'est la même chose, c'est-à-dire c'est Y appartient à F tel qu'il existe, X appartient à E, Y égale F du X. D'accord? Remarque, donc remarque, si on veut demander de montrer qu'une application F de E vers F, X égale à F de X est bien définie, alors il s'agit de montrer que pour tout X appartient à E, F de X appartient à F. D'accord? Dans ce cas-là, donc il s'agit de montrer que pour tout X appartient à E, il existe F de X. Donc dans ce cas-là, donc si on prend X, un élément de départ, l'ensemble des départs, donc X1, X2 par exemple, X1, X2, alors il existe X1 comme ça, et X1 comme ça, et X1 comme ça. D'accord? Donc là, ce n'est pas une application. Donc ça, il est bien défini. Donc une application, si on vous demande de montrer qu'une application F est bien définie, il s'agit de montrer que pour tout x appartient à E, il existe unique. D'accord? Il existe unique. Donc, f de x appartient à F. Donc, f de x appartient à F. C'est unique. Alors, donc, si on vous demande de montrer qu'une application F de E dans F, donc, est bien définie. Donc, il s'agit ici de montrer, c'est-à-dire, on va montrer que pour tout x appartient à E, c'est-à-dire, quel que soit x appartient à E, d'accord? Il existe unique, f du x appartient à f. D'accord? Et ici, il existe unique. D'accord? Donc, ce n'est pas f du x, on va montrer que f du x appartient à e à f. Donc, non. On va montrer que f du x appartient à f et que si f du x est unique. D'accord? Autrement dit, que l'inf de f est inclus dans f. MF inclus dans F. Ici, c'est F de E. D'accord? C'est F de E. Alors, par exemple, l'application est mal définie. Donc, voilà, donc il est mal défini parce que, tout simplement, ici, donc, pour montrer qu'il est mal défini, d'accord? On va donner un contre-exemple. D'accord? C'est facile. Donc, si on prend X, donc, on va prendre X appartient ici à l'ensemble des parts, on va montrer que il existe y tel que suite y là n'appartient pas à l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire ici on va prendre par exemple entre 1 et moins 1, c'est-à-dire 1 demi, donc l'un de 1 demi c'est une valeur qui est négative et donc dans ce cas-là une valeur qui est négative n'appartient pas à R plus, d'accord? Donc, c'est-à-dire que cette valeur n'appartient pas à l'ensemble d'arrivées et donc cette application est mal définie. D'accord, tandis que cette application elle est bien définie. Donc, si on prend tous les éléments, donc pour montrer ça, donc on va, quel que soit x appartient à E, c'est-à-dire à R étoile plus, il existe unique, d'accord, y tel que f de x égale à y, c'est-à-dire que l'un du x égale à y. D'accord? L'existence, elle est par défaut, d'accord? Par la définition de la fonction l'un du x, d'accord? C'est l'existence. Donc, pour montrer l'unicité, donc on va supposer qu'il existe y1, y2, d'accord? Tels que, donc, qui sont différents, d'accord? Donc, on va montrer qu'il y a une contradiction, d'accord? C'est facile, donc, c'est facile, donc tel que f du x égale à y1 et f du x égale à y2, d'accord? Donc c'est l'un du x égale à y et l'un du x égale donc c'est par défaut y1 égale à y2, d'accord? Donc c'est par défaut. Différence entre application et fonction, d'accord? Différence entre application et fonction. Bien que le programme officiel stipule de ne pas faire de différence entre application et fonction, c'est-à-dire qu'ils sont presque idem, donc il existe néanmoins une nuance. Donc une application est toujours définie sur son ensemble de départ, donc une application est toujours définie sur son ensemble de départ,
ce qui n'est pas le cas d'une fonction. Par exemple, on a R vers R, donc l'ensemble des parts c'est R, l'ensemble d'arrivée c'est R, X et X qui est relié à racine du X. Donc c'est une fonction, d'accord, c'est une fonction, mais n'est pas une application, d'accord. Donc parce que donc on va trouver quelques éléments, d'accord, on va trouver les éléments de départ de R étoile moins, donc de R étoile, de R moins, pardon, de R moins. Donc ils sont pas définis par cette relation, d'accord. Donc c'est une fonction, mais n'est pas une application. En revanche, cette forme, c'est une application, d'accord. C'est-à-dire ici, donc l'ensemble, c'est le domaine définissant de F, d'accord. Alors, si on fait le domaine de définition de F, alors on va trouver une application, d'accord. F e vers F est une fonction. On appelle l'ensemble définition de F l'ensemble dx appartient à E tel que f de x est bien défini. D'accord, donc c'est une fonction. Ici, f de E vers F est une fonction, d'accord. Là, on appelle ensemble définition de F, l'ensemble dx qui appartient à E tel que f de x est bien défini. Alors, si on fait ça, donc on va trouver une application. C'est une définition d'application. Donc, si on fait une réduction d'ensemble vers l'ensemble de définition, d'accord. On note DDF pour désigner l'ensemble défini. Voilà, donc alors on va passer vers ensemble notation, ensemble des applications. Alors par définition, l'ensemble des applications d'un ensemble E dans un F sont notes FE. D'accord, ici F c'est l'ensemble d'arrivée et E l'ensemble de départ. Donc application F de E vers F, on peut s'en noter, on peut dire que l'ensemble des applications, c'est l'ensemble des applications de E dans un ensemble F. Donc, on va noter FE, c'est-à-dire F appartient à FE. D'accord. Notion de famé, donc c'est une juste notation, d'accord. C'est pas un grand chose, d'accord. Donc, il faut juste savoir le symbole. La signification de ce symbole là, d'accord. Donc le symbole signifie que l'ensemble de départ c'est E, l'ensemble d'arrivée c'est F, d'accord. Donc F appartient à EF, F appartient à F, c'est-à-dire l'application appartient à grand F EE, d'accord. Donc signifie que F il est défini de l'ensemble des parts de E, c'est une application de E dans F, c'est-à-dire que F il est défini de E comme ensemble de départ vers F comme ensemble d'arrivée, d'accord. Notion de famille, donc soit E et I deux ensembles, une application de I dans E est aussi appelée, d'accord, c'est une autre notation, une application de I dans E est aussi appelé une famille des éléments de E indexé sur I, d'accord. Et l'élément, c'est-à-dire ici, donc cette désignation ou bien cette notation signifie que cette F, bon, et cette application donc appartient à EI, d'accord, EI, c'est-à-dire comme ça EI. En particulier, l'ensemble des familles d'éléments de E indexé sur I se note EI, d'accord. Alors, bien sûr, on a déjà dit ça, donc l'ensemble, de façon générale, défini, c'est une collection d'objets, d'accord. Alors, on passe égalité d'une application, donc égalité dernière d'une application, définition, deux applications E et F sont égales, si elles ont même ensemble de départ et même ensemble d'arrivée, et même graphe. L'égalité des graphes est équivalente à la condition suivante, c'est-à-dire pour montrer que ils ont même graphe, donc c'est pas la peine, donc on va vérifier que ils ont même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée, et quel que soit x appartient à E, f de x égale à g de x, d'accord. Voilà, c'est la deuxième partie de cours des applications, d'accord. On va entamer les autres
Sparte et de secours dans les prochaines vidéos. D'accord? Merci, à très bientôt.